Donc on se retrouve sur le bureau pour l'installation du mode. Donc il vous faudra comme d'habitude GTA 5 et OpenCat. Pour le fichier du mode, il faudra aller dans la description. Il y aura le lien de téléchargement du mode. Donc dans ce mode, il y aura la Camaro ZL1, l'Aventador, la Ferrari, la P1 et la Nissan GTR. Donc on va commencer tout de suite. On va ouvrir le fichier .rar. Donc si vous avez regardé ma précédente vidéo, je vous montre comment ajouter un véhicule à GTA 5. Donc là, ça va être le même système. On va ajouter un DLC. Donc on va extraire le fichier déjà. Donc clic droit, extraire ici. Voilà, donc il y aura tout ça dedans. Donc ces deux trucs là, c'est pas important. Donc ça, c'est pour avoir un mode menu. Donc si vous en avez un, pas besoin de l'utiliser. Et puis l'autre, c'est une description en chinois. Donc après, on va commencer par modifier les fichiers comme dans ma précédente vidéo, où il faudra juste modifier des lignes de code. Donc on va ouvrir OpenCat en clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Après, une fenêtre comme ceci va s'ouvrir, vous cliquez sur Windows de GTA 5 et une autre fenêtre va s'ouvrir comme celle-ci. Après, on va suivre le chemin, donc vous allez dans Update, Update, Common Data, et là il faudra faire la même chose, donc clic droit, nouveau dossier original, au cas où le mode ne marche pas. C'est mieux d'avoir pris, d'avoir gardé les fichiers originaux. Et mode. Donc après, vous faites, vous glissez le fichier dans original et vous le glissez aussi dans mode. La même chose pour ce fichier là. Vous glissez dans original. Donc c'est le point méta. Il n'y en a pas plusieurs. Et vous glissez dans mode. Donc on va commencer, vous ouvrez mode. On va commencer par DLC List, donc clic droit, ouvrir avec bloc-notes. Et il faudra rajouter une ligne tout en bas, donc vous faites une entrée, tab, tab, et vous rajoutez cette ligne là. Donc CTRL-C, CTRL-V, après vous pouvez fermer, enregistrer. Et après on va faire la même chose avec le fichier meta. Clic droit, on peut ouvrir directement, normalement il va reconnaître directement en bloc-notes. Et après vous allez tout en bas, la même chose, vous faites entrée, tab, tab, et vous copiez ceci, donc les quatre lignes, vous en loupez pas parce que sinon ça va marcher. CTRL-C, CTRL-V, vous pouvez fermer et enregistrer. Après on va les remplacer dans OpenCat, donc vous faites un clic droit, donc vous n'oubliez pas de faire Edit Mode tout en haut, et oui. Après dans DLC List, vous cliquez de droit Remplacer, vous remplacez par les fichiers, donc on va Mode, DLC List, ouvrir, la même chose pour l'autre, clic droit Remplace par ce fichier là, le fichier que vous avez bien modé, ne vous trompez pas. Donc après nous allons ajouter les différents fichiers, donc là on va retourner Update, vous allez dans update.rpf, DLC patch, là vous faites un clic droit, new dossier, et donc là va falloir créer un dossier qui ait le même nom que celui qu'il y a dans la description. Alors, attendez. Attendez, on va annuler, on va recommencer après. Donc il faudra que le nom du dossier s'appelle YCA mode. Donc vous faites un clic droit, new dossier, YCA mode. Ok, après vous rentrez dedans, vous faites clic droit add. Et vous allez ajouter les fichiers qu'il y a dans le point rare. Donc vous allez dans update.rpf. DLC patch, YCA mode et le fichier content. Ouvrir.
vous retournez en arrière, vous allez dans x64, DLC pack, clic droit, new, dossier, YCA mode, et après vous double-cliquez dessus, clic droit, add, et vous ajoutez x64, DLC pack, YCA mode, et le fichier qui s'appelle dlc.rpf. Voilà, donc là vous n'avez plus qu'à faire rebuild et rebuild. Donc là rebuild, ah, je sais pas si ça me le fait. Donc là normalement vous pouvez le faire vous. Bon, je sais pas pourquoi ça me le fait, des fois ça me le fait, des fois ça me le fait pas. Donc là vous faites file, rebuild, et vous recliquez sur rebuild, moi je peux pas le faire. Après vous fermez, vous pouvez tout fermer. Donc là vous avez 4 nouveaux véhicules. Donc pour les faire spawner, ça va faire la même chose. Il faut avoir un mode menu où on puisse faire spawner le véhicule par leur nom. Et donc là il faudra pour la Camaro taper ZL1. Pour l'Aventador, il faudra taper, donc il y a tout écrit en bas. Pour l'Aventador, il faudra taper LP700. Pour la Ferrari, il faudra taper juste la Ferrari. Pour la P1, P1. Et pour la Turismo, la Nissan GTR, il faudra taper GTR Nismo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fera extrêmement plaisir. Et on va se dire à une prochaine vidéo.